Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes projets 2020 YouTube. Et oui, ça me tient à cœur de vous présenter un peu mes projets. Voilà, mais tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé des vidéos sur mon Tipeee. Donc, j'ai réussi à avoir au moins 6 euros de dons grâce au visionnage Tipeee, donc merci à vous. Donc je voudrais remercier à Gats qui a visionné grâce à la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur les associations. Donc il a regardé les visionnages sur mon Tipeee, donc je vous remercie. Et je voudrais remercier aussi donc à mes top 3. Donc j'ai des top 3 sur mon Tipeee. C'est marqué carrément les noms. Donc je voudrais remercier à Camus qui a regardé au moins tous les jours des vidéos sur mon Tipeee. Donc merci à toi. Je voudrais remercier aussi Azumi, une japonaise. Merci à toi pour ces visionnages. Et à Ken Katrisensa, merci. Et je voudrais remercier aussi aux autres qui ont regardé quelques pubs. Donc à Gats, évidemment, que j'ai dit au début, à Elmir le Gamer et à Fanta qui a regardé. Donc je vous remercie et désolé si j'ai oublié d'autres personnes. Merci à vous. Voilà, j'ai fait beaucoup de merci sur cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Voilà, allez, on commence pour ce projet 2020 YouTube. Donc déjà pour vous annoncer que je vais faire beaucoup de vlogs, hein. Évidemment, hein, ma chaîne est spécialisée en tant que vlog, même si des fois je parle comme ça en face cam normal, hein, bah, voilà. Donc je vais commencer par les vlogs. Donc les vlogs, je vais en faire beaucoup. Donc déjà en février je pars à Paris normalement, j'espère, pour déjà pour voir pour mon projet Canada, parce que j'ai un projet Canada que j'en parlerai plus tard encore. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, hein. Vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous pouvez voir mon projet. Voilà, donc en février je pars à Paris pour aller à l'ambassade du Canada, voilà, pour essayer de trouver un moyen pour partir, évidemment. Et je ferai aussi des vlogs à Paris. Donc voilà, vous allez peut-être connaître Camus qui est souvent sur mes vidéos gaming. Voilà, donc ça serait pas mal. Et aussi, je vais offrir au moins un McDo ou KFC, n'importe, un restaurant à des SDF. Donc voilà, grâce à mon Tipeee, parce que j'ai réussi à avoir, comme je dis au début, 6 euros. Donc si tous les mois j'ai au moins 6 euros, donc je pourrais offrir au moins un McDo ou un KFC ou n'importe à des SDF. Voilà. Et puis j'ai prévu aussi voyager. Bah, j'espère, hein, cette fois-ci que je pourrais aller voyager. Et j'ai prévu faire une première saison en Kabylie. Et oui, je suis d'origine kabyle et j'aimerais aller à la Kabylie. Et comme j'ai dit sur une de mes vidéos que je vais pouvoir faire des saisons, donc je vais faire saison 1, ça sera la Kabylie peut-être, ou les États-Unis. Saison 2, ça sera peut-être en Chine, en Vietnam. Voilà, c'est un projet sur ma chaîne. Donc saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, etc. Donc la première saison, ça sera peut-être en Kabylie, parce que je suis d'originaire de la Kabylie. Et mon grand-père est enterré là-bas, et donc j'aimerais y aller. Voir un peu ce qui se passe là-bas. Aussi, j'aimerais faire des vlogs sur des îles, donc des îles en Bretagne. Il y a des îles vraiment magnifiques en Bretagne et j'aimerais y aller. Donc voilà, et il y a l'île de Groix qui est pas loin de Lorient, donc, vu que je suis de Lorient. Donc voilà, j'ai juste à prendre un bateau au port de Lorient et hop, j'y vais. Et vraiment, c'est une île magnifique. Mais quelques photos ici de l'île, voilà. Et d'autres îles, hein, y a l'île aux Moines qui est pas loin non plus. Voilà quoi, donc le tour du Morbihan, voilà, en vlog, ça serait pas mal. Et ça se changera sur ma chaîne un peu.
Et puis, je vous annonce aussi que l'année prochaine, je ne ferai pas de festival interceltique, je pense pas en vidéo. Voilà, parce qu'en même temps, il y a un autre festival qui parle du roi Arthur. J'aimerais bien y aller, c'est dans un château. Et voilà, il y a plein de trucs pas mal là-bas. Donc, j'aimerais, à la place du festival interceltique que je fais tous les ans en vidéo, cette fois-ci, je veux partir directement pas loin de chez mes parents de Malétroit, faire justement l'histoire du roi Arthur. C'est vraiment intéressant le truc, et déjà l'année dernière j'étais vraiment déçu de pas y aller, et je pensais qu'il n'y avait pas, et finalement il y avait. Donc là cette fois-ci pas de festival interceltique, mais je vais peut-être partir plus dans le festival du roi Arthur. Je vais vous parler également de mes projets d'association, hein, comme j'ai parlé dans une autre vidéo. Je vais vous montrer un peu les évolutions qui s'est passées dans mes associations. Donc peut-être grâce à vous, grâce au Tipeee, grâce au Loto. Non mais voilà, donc j'aimerais bien pouvoir avancer dans mes projets d'association. Voilà, oui, j'ai plein de projets, hein. Il y en a qui me disent qu'il faut faire petit à petit, mais je peux pas attendre mes 40 ans pour pouvoir faire tous ces projets. Mon but premier, c'est le Canada, évidemment, voyager, etc., 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 etc. J'ai plein de projets. Donc j'espère que ça va se faire, tous ces projets, vite. Même si je suis impatient, il faut attendre, avoir de l'argent pour faire tous ces projets. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, c'était en été, où j'ai fait une vidéo comique où je me suis déguisé en fille, moitié Bila et Conchita. Et ça a plu à beaucoup de gens. Les gens m'ont dit que j'étais fou, mais ça a plu. J'ai eu beaucoup de j'aime, etc. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, je mettrai en fin de vidéo si vous voulez, et en description. Voilà, si ça vous plaît, mettez-moi en commentaire, et je en ferai d'autres. Donc voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que l'année 2020 sera vraiment bien, que tous mes projets, ce ne sera pas possible, mais quelques projets sera concrétisés, j'espère. Tout ce que j'ai dit, j'espère que ça va être concrétisé quand même, je pense le projet Canada, c'est ça dans deux ans, trois ans, le temps de mettre des sous de côté, merci à vous de m'avoir suivi. Mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Tchuss.